Ah mais mets ton clignotant avant, espèce de geek, va. Putain, casse les couilles, sérieux. Ah ce bâtiment il est mortel. Et trop frère, on dirait un truc futuriste s'il te plaît. Ouais. AC Hotels, ah ouais d'accord, c'est un hôtel. C'est pour ça que c'est beau. Ah ouais mon gars, t'es mort. Comment il est énervé le bâtiment. Oh là là, c'est tombé. Bon, moi du coup mon spot photo il est par là. Et je pense qu'il est là. Ouais c'est ça, il est là. Ah ça peut vraiment rendre bien ici. Ce petit hôtel. Putain vas-y, il commence à pleuvoir dès que je prends la moto quoi, sérieusement. Putain ya. Ouais si j'avoue, j'allais dire il n'y a pas un nuage, mais si en fait il y a grave des nuages. Bon j'avoue c'est normal qu'il commence à pleuvoir. Mais bon ça fait chier quoi, merde on est en mai quoi. Oh, une moto-école devant quoi, débarre. Putain, la première moto-école danoise que je croise, les amis. Ah, ils ont les gilets et tout, hein. Ils sont en quoi? Ah, ils sont en Gladius. Quoi? Répète. Non, mais c'est pas des Gladius, qu'est-ce que je dis, moi? C'est des SV, je suis un ouf. C'est les derniers SV 6,5. Ouais, c'est ça, ouais, c'est des SV. Oh, il a pas la traîne, lui, hein. Salut, mon gars. Donc il y a une MT-07 et deux SV6,5. Vous aurez sûrement remarqué que je suis beaucoup moins actif si vous me suivez sur les réseaux sociaux. C'est normal. Non pas que les réseaux sociaux me saoulent. Enfin parfois un petit peu. C'est bien de temps en temps de sortir un peu la tête de l'eau et pas tout le temps être sur son écran de téléphone. Tu vois ce que je veux dire? Profiter des vraies choses de la vie. Mais c'est surtout parce que j'ai une nouvelle opportunité professionnelle qui s'offre à moi, donc dans le job que j'exerce. Et si tu veux, je vais step up. Donc de nouvelles responsabilités. Donc c'est pour ça que malheureusement, j'ai pas trop le temps en ce moment, genre pas du tout, de faire des vidéos, d'être actif sur Insta, d'aller shooter, ce genre de choses. Je privilégie plus ma vie professionnelle. Voilà, je suis très content d'avoir ma chaîne YouTube à côté, c'est très bien. Mais pour moi, c'est... Avec tout le respect que je vous dois, c'est secondaire. Je privilégie mon parcours professionnel. Parce que YouTube, c'est bien, mais un truc, et ça s'arrête. Et on l'a bien vu avec le motovlog en ce moment, où moi, je fais moins de vues. Beaucoup de motovlogueurs font beaucoup plus trop leurs vues, malheureusement. Donc, voilà. Après, bon, je m'en bats un petit peu les couilles, parce que moi, je vis pas grâce à ça. J'ai pas de revenus YouTube. Autre que les petits placements de produits que j'avais fait pour réparer le CBR, mais voilà quoi. Donc je privilégie mon parcours professionnel. Je suis pas parti de France pour enfiler des perles, si tu vois ce que je veux dire. Donc je mets toutes les chances de mon côté pour réussir. Et je pense que vous pourrez le comprendre. Je l'espère. Bon allez, on va se faire ce petit shoot rapide et ensuite on va retourner rouler. What? Cool. Ah, thanks. I have a BMW myself, but not a racer. 90? I have an R1100 R. Trail. Yeah, I've rebuilt it like, so it sort of looks like a 90. Okay, nice. Super awesome. Where do you come from? France. So you're driving from France? No, I bought it here. Right. I live here since less than 1 year. It's an amazing bike. Yeah, thanks. Super. It was brown at the beginning. It was completely brown. I bought it as brown and I didn't like the brown color, so I changed it. But that was why I was like, I've never seen it with this type of... Yeah. That's the... Yes. Normally it's orange and black. And I wanted something different. Is it a 600? Yeah. It looks like... Yeah, but the 1000 is exactly the same. Huh? Ah, okay, that's right. It's the same shape. The engine is different, but the shape... There is no difference between the 600 and the 1000. You have made this one? Yeah. I bought it, it's Rizoma. Yeah, Rizoma.
Rhizoma? Rhizoma. Nice. Yeah. Cool. Very nice bike. Thanks. Yeah, you too. Putain, sans déconner, je suis trop content du petit spot que j'ai trouvé en plein soleil là, avec le métro aérien là. Enfin, aérien, je sais même pas si on dit ça comme ça, mais. You understand me? Eh, vous me tuez là quand vous êtes en train de vous moquer là, hein, bande de chétanes, vous vous moquez de mon accent dégueulasse en anglais. Et vous avez bien raison de vous moquer, c'est vrai qu'il est dégueulasse mon accent, mais je vous jure que je le fais pas exprès. C'est autant en espagnol, franchement ça va. Hein. Ceux qui me connaissent savent que j'ai un accent qui peut passer à peu près, tu vois. Mais alors mon accent anglais. Arrête. Voilà quoi. C'est vrai que dans Paris ça me fait rire. Mais arrêtez hein. Arrêtez, Wallah, arrêtez. Le petit RS3 a l'air énervé d'avoir les clapets ouverts, avoir le son qu'elle fait. Attention, roulement de tabou. Ah bah les patates hein. J'aime beaucoup. Putain, sans déconner, sérieux. Putain, ils sont deux temps des fois, ça me rend fou, je te jure, ça me rend dingue. Mais il a mis 1000 ans pour mettre son clignotant pour tourner à droite, quoi, sans déconner. C'est fou quand même. Oh les amis, comment je suis trop content, il fait super bon aujourd'hui. Pour une fois, tu vois, je crois que c'est la première fois, l'une des premières fois que je suis en moto et j'ai pas froid, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, c'est là que je suis bien, tu vois, j'ai pas trop chaud, j'ai pas trop froid. Il fait 18 degrés, il y a pas trop de vent, c'est trop plaisant. Hop là. Sérieux, ça fait trop du bien. Ah là là, l'été arrive ici, ça fait zizir. Et là, pour ne rien te cacher, je vais aller me balader un petit peu au bord de la mer. Ça fait longtemps que j'ai pas vu la mer. Enfin, ça fait longtemps, ça fait qu'une semaine. Hein. Attends, j'en profite. Hein. Cave de fou ici, il fait pas souvent beau, mais quand il fait beau, il faut aller au bord de la mer, les amis, sinon t'as rien compris. En plus, j'ai ma nouvelle visière Iridium Gold, que tu auras peut-être vu sur Instagram. Si jamais tu ne me suis pas sur Instagram, n'hésite pas à regarder mes réseaux sociaux qui s'affichent juste en bas de la vidéo si j'ai pas oublié de mettre une petite annotation. Oh là là, le bandit 600 les gars. Tac. For example in front, you can stay here, you know, it's illegal. What do you say? Hein? No, 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 I don't know the road. I follow you. Oh putain. Mec, tu ce petit con, il m'a fait peur. Donc attendez-vous à le voir dans de prochaines vidéos, cette énergumène là. Donc ce monsieur là, il s'appelle Oliver. Et c'est un. Bah, c'est devenu un pote. Collègue de boulot. Et ce qui est archi drôle, c'est que du coup, je suis un petit peu en train de monter une équipe dans le sens où, bah voilà, moi j'étais le seul motard. Lui, il voudrait bien du coup se mettre à la bécane, donc il va passer son permis. Et j'ai un autre collègue qui va aussi passer son permis bientôt. Alors, ouais, de la bécane là. Oh, c'est les vieux. Les vieux R6. SVS 6,5. R6. C'est les vieux R6. Putain, il a pas de. Il n'a pas de bande de peur le bâtard. Presque pas. Et pas mal. Putain, je suis entouré de flics, frérot, je suis pas bien. Faut vraiment qu'on sorte de là, gros. Police, donc tu vois, c'est, ils ont les petits les touranes là-bas là. A lot of cops. I was scared about the police, man. I was like, okay, easy. And there was three cars of cops. Four? Yeah, the big blue one.
Ouais, c'est vrai, de truck. Il s'est levé. Putain, ça fait du bien, quelques virages là. Ah, ça fait du bien. Ah.